Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je sais que j'en fais pas souvent, même si prochainement il y en aura beaucoup plus dès le départ de mon tour du monde. Aujourd'hui, l'occasion est spéciale puisque je vais aller au parc Astérix pour la première fois. Et vous savez que je suis une grande fan de parcs d'attractions. D'ailleurs, je vous mettrai dans le petit ma playlist de tous mes vlogs dans les parcs d'attractions. J'aime énormément les sensations fortes, etc. Et je ne suis jamais allée au parc Astérix, je sais pas pourquoi. Plusieurs fois, je suis voilà, passée près, j'ai vu les panneaux sur la route et tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est loin de chez moi. Moi, j'habite à Montpellier. Et je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion. Donc là, ça va être super cool. J'y vais avec une amie, Margot, du compte Happiness Maggie, qui elle connaît bien le parc parce qu'elle habite juste à côté. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, je vais partir pour la gare. Si ce vlog vous plaît, n'oubliez pas de le liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne. Et surtout aussi, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où je vous partage tout en avant-première. Par exemple, je vous ai déjà posté des stories sur Instagram du parc au moment où vous verrez cette vidéo. Donc voilà, je vous retrouve dans le parc. Bon, on commence stratégique. Hello. On commence par l'attraction bah, la plus populaire, c'est ça. Hein. Ouais, moi je suis Obélisque. Des conseils, hein, parce que tu connais bien. La dernière fois que je suis venue, on avait eu pas mal de queues, donc autant commencer par celle-là. Ah, t'as raison. Ouais, elle l'aura fait au moins une fois, parce qu'elle est jamais venue, donc elle ouais. l'aura fait. Ça a l'air trop bien parce qu'on a les pieds en l'air, en fait les rails sont au-dessus, donc on a l'impression de tomber, non? C'est bah, en fait, au niveau des sensations, du coup, c'est trop bizarre parce que quand tu regardes au sol, bah tu vois le vide, enfin tu vois le vide, quoi, enfin, c'est trop bien. Compliqué de filmer parce que je viens de casser ma perche, voilà. Fallait que ça arrive un jour. Du coup, on vient de commencer avec Osiris. C'était trop bien. J'ai ouais, trop aimé. Elle est super bien. Ah bah là, il y a des gens qui partent là-haut. On les voit. Oui, je prends des risques. Ah oui. Mon appareil photo n'est pas autant ouf. Non, non, vraiment pas. On se prépare à la descente. Hein. Oui. Ah. Alors après les menhirs. Et ben on est trempé, surtout Claire. Ah bien, je peux carrément m'essorer en fait avec mon pull. Hein. Je sais pas si ça se voit vraiment que je suis trempée. Oui, elle s'est pris une grosse vague. Donc du coup, elle est mouillée de la tête. Ah, c'est dommage qu'on ait pas pu prendre en photo la photo parce qu'on avait l'air paniqué dessus. Mais parce qu'on était paniqué, clairement, hein, il faut dire les choses. C'est vrai que la photo était marrante, mais ils mettent des gros logos, etc. pour pas qu'on puisse la prendre en photo. Donc ouais. On pourra pas vous montrer ça. Quel dommage. Oh, j'ai très faim. Du papier, du papier. J'aime trop le petit quartier comme ça ici. Ouais, là. Petit quartier grec. Ouais. Ah, c'est ça la même attraction à Pégase. Ah oui, Express. Là, on a le temps de sécher. Hein. Là, c'est sûr. On va faire la nouvelle attraction, enfin la dernière qui est sortie, Pégase Express. Du coup, je ne la connais pas non plus, donc ça va être la surprise. Oh là là. Oh là là. J'ai peur de la tête. Pour le midi, on est au restaurant du cirque, donc c'est un petit buffet, c'est super super beau les décorations. Et pour le plat, bon, on mange quelque chose de très équilibré, on voit pas trop avec les lumières, mais je mange pommes de terre, riz, pâtes et après des légumes. Bon, on a craqué, on a pris une photo avec Astérix. Oui, on va vous montrer. On est trop heureuses, ça se voit. Les vrais enfants. Astérix, c'est là, il y a Obélix, il vient de passer. Non, c'est pas ah oui. Il y a de l'écho. Écho. Bon, pas très bien. Je suis déception. Ça fonctionne pas du tout. Cette attraction a l'air trop bien, mais il y a aussi une heure d'attente. J'ai mis l'application là pour voir les temps d'attente, mais il y a trop de monde. On continue notre petite journée. Oui. Beaucoup d'attente aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Vu qu'à cette période, le parc il est ouvert que le samedi et le dimanche, il y a beaucoup de monde. Mais on a pu refaire Osiris avec la single rider, ouais. La ligne. Donc si jamais vous venez au parc. En fait, c'est la seule attraction qu'on peut faire en single rider. Et normalement, il y avait presque une heure d'attente et nous, on a fait 5 minutes d'attente. Donc voilà, c'est une petite astuce. Si jamais vous venez au parc, n'hésitez pas à faire la single rider. Et là, on va faire ça là. Goût du 8, c'est en fait c'est à 7. C'est déjà 8, non, tu vois, je m'attends. Il y a 7 loopings.
voilà, ce petit moment de détente après les loopings. J'ai été un petit peu malade, je ne le cache pas. Je ne l'ai pas filmé. Non, mais j'étais vraiment pas bien. Ouais, du coup là on fait une petite croisière, super mignon. C'est la petite pause là, il s'en est passé des choses hein. Alors là, moi déjà... j'ai pas tout filmé mais c'était une journée mouvementée hein. Bon, pour faire simple, j'ai vomi, voilà. Je ne dirai pas le prénom. Ah non, bah j'ai peut-être rencontré l'amour de ma vie, mais on ne saura jamais parce que je n'ai pas osé l'aborder. Ouais, mais je suis sûre que c'est trouvable sur LinkedIn. Claire regarde clairement trop de comédies romantiques. Du coup, elle s'est fait tout un film sur cette relation fictive. Non, mais franchement, tu sais que mes copines elles m'appellent Cupidon. Hein. Ah oui? Ça, c'est pas connu sur ma chaîne, mais je suis très bonne. Et bah pourquoi tu n'as pas donné mon Instagram dans ce cas-là? Non, c'est vrai, le gars en fait il travaille ici et il est revenu me voir pendant que Margot était aux toilettes. Il m'a demandé d'avoir la photo qu'on avait achetée et tout. Non, mais on va aller refaire un tour. Allez, on va essayer de le retrouver. Bon, c'est la fin de la journée. Oui. Ça y est, on est bien fatigué après toutes les attractions. Ah, ça, alors comment on y allait un peu fort aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que là on a pas arrêté. Mais c'était cool, il fallait, Claire n'était jamais venue donc ouais. Il fallait bien qu'elle découvre le parc comme il se doit, j'ai envie de dire. Ouais, en tout cas, c'est une belle découverte. Depuis le temps que j'en entendais parler, j'avais trop hâte de voir comment c'était et c'est super cool. Je connaissais donc. Ouais, même la déco, enfin les attractions, les sensations. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Et à partir voilà, de fin novembre, début décembre, il y en aura beaucoup plus sur ma chaîne, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Moi, ça va me plaire en tout cas. Bah, on fait de gros bisous et à bientôt.